sur nos voeux de passer la soirée ensemble, de recevoir Monsieur Olivier Boué, qui pour la plupart d'entre vous, en tout cas pour plusieurs d'entre vous, est connu puisque certains élèves sont ici, puisque vous enseignez aussi la musique. J'ai lu aujourd'hui, grâce à un tweet du père Laurent Berthoud, qui est notre délégué à la formation pour le diocèse, que vous lui aviez dit que vous lui avez lu quelque part que la musique c'était aussi une autre forme, une autre façon de prier. Trouver la formule plus qu'une formule, en tout cas une expression très belle. Je vous remercie d'avoir accepté de nous ravir ce soir, de nous emporter à travers la musique, pour que nous puissions nous aussi nous évader quelque part, tout en étant pleinement présents. Merci. Thank you.
Thank you.
très très important. Et à part les dernières salades, plutôt qu'on est grand, à part les cinq dernières qui sont vraiment des monuments, plutôt que considérer que la Santa Passionata, dont je jouais, c'était sa meilleure. En tout cas, elle était connue, hein, ça, pour les plus anciens d'entre nous. Il y a eu des enregistrements qui avaient dans le Rossillon, il y avait la pathétique, la ferme et la Passionata, c'était les trois grandes salades qui étaient jouées. Et on retrouve des éléments qui sont toujours constants chez Rocco, c'est le combat du fort et du faible. Donc c'est pas quelqu'un qui est impuissant, enfin qui est un être puissant qui s'attaque à un être plus faible, c'est en fait une seule personne qui essaye de vaincre ses propres faiblesses. Et tout au long de la sonate, il y a constamment cette dualité, ce conflit entre cette volonté d'être meilleur et puis cette vulnérabilité qui fait qu'on n'y arrive pas, comme on voudrait. Et vous verrez, il y a beaucoup d'opposition et c'est très très parlant. J'insiste aussi beaucoup, alors ici c'est particulièrement difficile de faire parler le silence à cause de la résonance qui a. J'arrête de jouer, entre le moment où j'arrête de jouer et le moment où vraiment il y a le silence, il y a à peu près 4 secondes. C'est énorme, je suis obligé de couper un petit peu, mais faites attention au silence. Le silence, ce n'est pas une absence de message, c'est juste une absence de son. Donc il faut écouter le silence autant qu'on écoute un message, autant que la communauté avec des mots, un peu cette communauté avec des sons. Le silence, il faut l'écouter autant, il est aussi important. Et vous remarquez que beaucoup de gens craignent le silence. Parce que quand il y a un moment de silence, dans une salle de concert, il y a toujours quelqu'un qui tousse. C'est la preuve qu'on a du mal à parler au silence. Il ne faut pas avoir peur du silence. Il révèle des choses merveilleuses. Thank you.
Thank you.
faiblesse. Je ne dirais pas dans quel contexte elles ont été mises, ça n'a pas d'importance. Moi, je voudrais un peu vous parler du processus que représente la composition pour moi. Il y a un philosophe que j'aime énormément qui s'appelle Georges Atlas, je ne sais pas si certains ont entendu parler. C'est un philosophe suisse, enfin grec, grec d'origine grecque et suisse. En français, et il dit vraiment des choses très très belles au sujet de la création, et c'est ce que je me retrouve tout à fait dedans. Au départ, il y a une idée qui vient, on ne sait pas d'où, et simplement, on essaie de transcrire quelque chose qui nous inspire, et en fait, le problème, c'est que on a perpétuellement conscience que ce qu'on écrit, c'est inférieur à ce qui nous a inspiré. Donc on recommence tout le temps. Et finalement, maintenant que je commence à avoir un certain nombre d'œuvres à mon catalogue, je me rends compte que j'écris, il y a des choses qui reviennent. Donc probablement, les choses qui reviennent, c'est les choses que je me rends compte que je bute sur quelque chose, j'arrive pas à aller plus loin. Et après, quand on écoute, ben c'est pareil, on perçoit qu'une partie. Et il faut toujours commencer pour essayer d'aller plus loin. Alors, je ne me soucie absolument pas d'écrire dans le style de machin ou truc, d'être à l'avant-garde ou à l'arrière-garde, je m'en fous complètement. Simplement, j'écris ce que j'ai sur le cœur. Et si je peux partager quelque chose avec vous, ça, c'est pour moi, c'est le plus beau cadeau que je puisse vous faire et vous faire. Et c'est un immense privilège pour moi, en tant que compositeur, par rapport à l'interprète. L'interprète, il a, dans le meilleur des cas, 45 ans pour briller. Puis après, les doigts marchent moins bien pour les instruments avant savoir pied, pour la voix, c'est terrible. Donc, finalement, il n'y a pas beaucoup de temps pour vraiment être au top, pour pouvoir partager avec les autres. Avec les compositeurs, pas de problème. Moi, la musique que j'écris, je la joue parce que je suis vivant, et encore, je ne joue pas trop. Mais peu importe. Ma musique, une fois que je suis mort, elle sera toujours là, mais je suis là en train de communion avec des gens qui sont concordés. Comme moi, aujourd'hui, quand je joue Beethoven, je communie avec Beethoven qui dort depuis plus de 200 ans. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable parce qu'on transcende le temps. Et ça, c'est un immense privilège qu'on a pour nous, compositeurs. Voilà, donc je vais proposer une pièce. Dites-moi si j'ai des bêtises. Je crois que c'est le moment musical en premier. Après, il y a le piano de ma grand-mère, solitude. Alors celui-là, je ne le joue pas souvent. Je ne le joue pas souvent parce qu'il est long. Et vous verrez, c'est très très intime. Le milieu s'est dépouillé à un point où on peut difficilement aller plus loin. Encore une fois, j'essaie d'aller très loin. Mais c'est donc pour aller très loin. C'est parce que c'est plus comme ça. Et le troisième, c'est quoi? Le bonheur trouvé, le bonheur trouvé, le bonheur trouvé. Alors le piano de ma grand-mère, je crois que je suis en train de comme beaucoup de gens de ma génération, on avait tous une grand-mère qui avait un piano. Et un piano catastrophique, évidemment, hein, il n'y avait pas de piano de l'époque. Donc c'était le vieux piano qui était complètement faux, et pas comme le piano de ma grand-mère, c'était terrible. Il y avait une grande question de se mélanger. Et c'était en plus terriblement faux. Donc quand vous jouiez une note, vous entendiez ça. Alors vous imaginez un petit peu ce que ça peut donner au cœur de la vie. Ça donnait. Et donc sur cette idée, et je rends un hommage à ma grand-mère, sur cette idée, j'ai écrit ce prélude où il y a un peu de dissonance. Et puis de temps en temps, il y a quelque chose qui sonne bien. Et ça finit par paraître bizarre. Voilà. Ça, c'est la pièce un petit peu humoristique. Et puis après, c'est par carreau. Ça, je vous laisse écouter, vous verrez, c'est chouette aussi. Et j'espère que vous avez pensé à l'improvisation, vous êtes tous au courant. Peut-être que je peux en dire deux mots avant de. Comme ça vous fait un petit peu de temps de réfléchir.
Je vous demande un thème. Alors, thème, qu'est-ce que c'est? C'est une phrase musicale. Alors, le but, c'est que tout le monde en profite. Donc, la phrase musicale, il faut que ce soit une phrase que tout le monde connaisse. Donc, par exemple, les thèmes classiques qu'on peut avoir en organisation, c'est des thèmes de chansons françaises, tout ça, a priori, tout le monde connaît. Alors, vous pouvez me proposer un thème que je ne connais pas, ça ne me dérange pas. Simplement, il faut pouvoir me le chanter. Parce que si vous ne pouvez pas me le chanter, vous pouvez être petit peu me disant rien. Là, je vais avoir du mal. Et si vous pouvez me chanter aussi, vous pouvez me mettre une partition, pas de problème. Voilà, donc ça c'est tout. On va devoir écouter les prévenus. Thank you.
quelqu'un a une idée. C'est le premier qui a du mal. Après, s'il y en a trop. Alors, la sonate au clair de lune. Pourquoi pas, ça peut faire un thème. Ça, tu m'en connais. Oui. Je pensais au parapluie de Cherbourg en hommage à votre date de naissance. Le parapluie de Cherbourg. Alors, nous sommes deux. Ah non, ça c'est. Oui, non, oui, moi je suis lequel? Celui qui chante le mieux. Kuno. Kuno. Bon, après, je vais essayer de faire plaisir à tout le monde, donc en général, on fait un vote, mais bon, en général, j'en fais deux ou trois quand même. Hein. Donc peut-être les parapluies de Cherbourg, ça va pas aller très loin parce que là, ça y est, ça m'est revenu. Effectivement, faire des allusions. Bon, je vais chercher le public parce que là, je ne vois pas par cœur. Permettez, je prends quelques notes. Une fois, comme ça vous verrez si vous connaissez quelque chose. Bon, j'ai mis une fin évidemment, donc ça dure pas trop longtemps. Thank you.
Dieu, comme ici, il y a un compositeur qu'on ne peut pas éviter, c'est Jean-Sébastien Bach. Et j'ai pensé que, en fait, une transcription qu'il a faite d'un concerto de Vivaldi est absolument sublime. Alors, lui, il l'a faite à l'orgue, donc il y a des pianistes qui l'ont arrangé pour le piano. Et puis, bon, évidemment, chaque pianiste trouve qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, donc j'ai fait aussi un petit arrangement. Donc là, vous serez à la fois avec Vivaldi, avec Bach et avec le trio. Merci pour cette bonne soirée.
pensais tout à l'heure que vous vouliez nous mettre en communion, vous nous invitiez au début à rentrer en communion. Et je pense que votre invitation est remplie parce que vous nous avez mis en communion les uns avec les autres. Et puis vous avez fait rencontrer les auteurs que vous avez joués, Chopin, Beethoven, Bach. Et puis tout à l'heure, en réfléchissant, je me disais aussi que vous nous mettiez en communion avec les contemporains de ces auteurs que vous avez joués. Et nous, ce soir, nous étions un peu comme les contemporains à distance de plusieurs siècles, les uns et les autres. Je ne sais pas si tous les contemporains de Chopin et Beethoven ont eu la chance de les connaître, pas tous, mais nous, la chance que nous avons, c'est de nous connaître ce soir. Il y a quelques mois encore cet été, si vous vous rappelez, parce que nous demandions qui tient à l'époque les ordres de la basilique cet été, et que nous recherchions au loin un organiste. Vous étiez là, dans l'assemblée, ici, dans la chorale. Et puis ce soir, après vos talents d'organiste, nous découvrons aussi vos talents de pianiste, et c'est de dire merci de nous avoir mis en communion les uns et les autres. Je me disais tout à l'heure, si vous permettez cette expression, il y a Chopin, il y a Beethoven, il y a Poé. Tout à l'heure, on vous écoute. À la basilique. Donc soyez généreux, la basilique va vous donner.